Si vous étiez coincé sur une falaise à des milliers de mètres de hauteur avec un groupe de psychopathes BCBG essayant de vous attraper, que feriez-vous? On dit que ce n'est pas la chute qui tue, mais plutôt l'atterrissage soudain à la fin. Mais pour Kelly, la gravité est sur le point d'être le dernier de ses soucis. J'espère que vous n'avez pas le vertige, parce que je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les tueurs au Bro Code dans The Ledge. Cette fille est sur le point de vivre une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Kelly et Sophie, deux amies de longue date, sont en train de se préparer pour une session d'escalade dans les Dolomites, une chaîne de montagnes légendaire du nord-ouest de l'Italie, connue dans le monde entier pour ses vues impressionnantes et ses ascensions difficiles. Cet après-midi paisible est soudain interrompu quand un 4x4 rempli de jeunes financiers new-yorkais déboule dans le camping en criant et en diffusant de la musique comme s'ils étaient les maîtres des lieux. L'un d'entre eux en particulier fixe immédiatement Sophie du regard. Mais elle ne se doute pas qu'à la fin de la soirée, il va se transformer en un véritable psychopathe. Environ 3 minutes plus tard, le type se présente déjà à la porte. Il se prénomme Josh, et il les invite à prendre un verre avec lui et ses copains. Kelly n'est pas du tout intéressée. Après tout, elle est venue ici pour escalader des falaises, pas pour négocier des actions. Mais Sophie doit avoir un faible pour les gosses de riches avec des 4x4 hors de prix et des techniques de drague bon marché. Parce que pour elle, c'est le coup de foudre. Finalement, Sophie réussit à convaincre Kelly d'accepter son offre, en lui promettant cependant qu'elle ne restera que pour un verre. Mais c'était là sa plus grosse erreur. Le « verre » se transforme rapidement en plusieurs verres, jusqu'à ce que Kelly décide de retourner à leur chalet. Quand elle se lève pour partir, Josh l'attrape par le poignet et tente de la convaincre de rester. Mais les autres lui disent de la laisser s'en aller. Quelques verres plus tard, Josh et Sophie commencent à s'embrasser. Et quand elle se lève pour aller aux toilettes, les garçons disent enfin à leur pote de se calmer un peu, lui rappelant qu'il est censé être fiancé. Mais il les remballe en pleine face et la suit dans les bois. Et bien sûr, Josh essaie de forcer Sophie à se rapprocher davantage dès qu'il la surprend seule. Mais Sophie se défend et elle le griffe au visage en essayant de s'enfuir. Ils l'entendent crier et Reynolds arrive en courant. Il repousse Josh qui était sur elle, ce qui permet à Sophie de s'enfuir dans les bois. Les autres se doutent déjà que cette affaire ne va pas bien se terminer. Alors ils décident d'aller la voir et de lui expliquer que ce n'était qu'un malentendu avant qu'elle n'ait le temps d'appeler la police. Ça a peut-être commencé par une soirée amusante, selon que vous posiez la question à l'une ou l'autre des filles, mais maintenant Sophie est seule, poursuivie à travers les bois par un groupe d'anciens potes de fraternité à moitié ivres. Et on n'a aucun moyen de savoir ce qu'ils vont lui faire s'ils la rattrapent. Sophie doit se débarrasser rapidement de ses barjots, et elle va devoir prendre les bonnes décisions si elle veut s'échapper. Maintenant, ça peut sembler évident, mais la première chose que j'essaierais de faire dans cette situation serait de contacter de l'aide. En tant que jeune de la génération Z, il y a de fortes chances qu'elle ait son téléphone sur elle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Surtout pendant un voyage comme celui-ci où il y a tellement d'occasions de prendre des photos de dingue pour frimer. Si elle a son téléphone et qu'elle dispose de réseau cellulaire, elle doit immédiatement contacter la police. Quand vous voyagez, vous devez toujours savoir quel numéro de téléphone composer pour contacter les services d'urgence locaux, au cas où vous seriez impliqué dans une situation cauchemardesque comme celle-ci. En Italie, où il se trouve actuellement, l'équivalent du 911 est le 112. En les appelant dès que possible, on peut expliquer sa version des faits et s'assurer que les forces de l'ordre sont en route. Mais ça ne résoudra pas tout. Parce que même si elle parvient à entrer en contact avec la police, il faudra un certain temps avant que les secours n'arrivent. De plus, il y a toujours une chance que ses tarés changent de stratégie et décident de s'en prendre à Kelly à la place. C'est pourquoi elle doit faire tout ce qu'elle peut pour semer Josh et ses amis, puis rejoindre Kelly dès que possible. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher ». Mais dans cette situation, en fait, c'est exactement le contraire. Dans une course-poursuite comme celle-ci, vos poursuivants sont beaucoup moins susceptibles de s'attendre à ce que vous vous cachiez plutôt qu'à ce que vous continuiez à avancer. C'est donc en utilisant cette situation à son avantage que Sophie aura le plus de chances de les semer. Tout d'abord, elle doit enlever tout vêtement de couleur vive, comme cette grosse veste rouge qui la fait ressortir dans la végétation. Elle doit également se débarrasser de tous les bijoux qui peuvent refléter la lumière. Comme ça, elle aura plus de chances de réussir à rester cachée. Elle peut aussi utiliser tout ce dont elle se débarrasse pour créer une fausse piste à suivre, ce qui devrait déconcerter Josh et ses potes. Tant qu'ils peuvent encore la voir, Sophie devrait faire croire qu'elle se dirige dans une direction, comme plus profondément dans les bois, puis utiliser le terrain et changer brusquement de cap quand elle ne sera plus dans leur ligne de mire. Tant qu'elle sera hors de leur vue quand elle changera de direction, les garçons continueront probablement à la chercher dans la direction où elle courait initialement, ce qui les entraînera dans une course folle de plus en plus éloignée de l'endroit où elle se trouve réellement. Quand elle se déplacera d'une cachette à une autre, elle devra faire profil bas en restant littéralement au ras du sol pour être plus difficile à repérer. Outre la vue, elle devra aussi veiller à ce que les sons qu'elle émet en se déplaçant ne la trahissent pas. Mais ça pourrait aussi jouer en sa faveur.
La clé est de se déplacer prudemment, sur une courte distance à la fois, et d'écouter attentivement les sons émis par ses poursuivants, afin de savoir où ils se trouvent sans avoir besoin de les voir physiquement. En lançant un caillou ou une branche au bon moment, elle peut aussi utiliser le son pour attirer l'attention ailleurs que sur elle. Le camouflage est une des principales adaptations utilisées par les animaux sauvages pour se cacher des prédateurs ou pour prendre le dessus sur leur proie. Il serait donc temps de s'inspirer de la nature et de se salir un peu. En se couvrant de boue et de terre, Sophie sera beaucoup plus difficile à retrouver. Elle peut aussi utiliser les feuilles mortes et les branches d'arbres abattus qui l'entourent pour se dissimuler et littéralement disparaître dans la forêt, comme Predator. Étant donné que Sophie est une grimpeuse invétérée, il pourrait même être utile de grimper à un arbre. La plupart des gens ne regarderont pas en haut, mais elle pourrait se retrouver piégée s'ils s'en apercevaient. Quoi qu'il en soit, elle doit retourner au chalet et retrouver Kelly le plus vite possible avant que ses bozos alcoolisés n'aient d'autres idées lumineuses. Si le pire devait arriver et qu'ils parviennent malgré tout à l'attraper, la seule chose à faire pour Sophie sera de coopérer jusqu'à ce que la situation se calme, espérons-le, et d'appeler à l'aide dès qu'elle en aura l'occasion. Malheureusement pour elle, les choses sont sur le point de prendre une tournure encore plus horrible. Croyez-le ou non, le fait que quatre hommes ivres et complètement tarés la poursuivent de nuit dans la forêt en criant « La voilà, attrapez-la !» ça ne rassure pas vraiment Sophie. Et elle décide donc de continuer à courir. Ce type, Zach, parvient à l'attraper par derrière, mais elle lui mord la main pour se libérer. Sophie se défend plutôt bien, mais malheureusement, il la coince. Et c'est alors que Josh lui assène un coup de poing en plein visage, la faisant tomber d'une paroi rocheuse. Quand il se précipite en bas, les garçons retrouvent Sophie grièvement blessée, mais toujours vivante. Et elle implore leur aide. Reynolds tente d'appeler la police, mais Josh s'empare rapidement de son téléphone et le jette encore plus bas. Paniqué, il se tourne vers les autres pour demander de l'aide. Mais ce type, Taylor, est avocat. Et il dit qu'au vu des preuves, ils seraient tous accusés de tentative de meurtre. En bon psychopathe qu'il est, Josh décide que la seule solution logique est de transformer cette tentative de meurtre en meurtre parfait. Il ramasse donc une grosse pierre, s'accroupit au-dessus de Sophie et la bat sur sa tête avant de forcer les autres à faire de même et de frotter le sang sur les mains de Reynolds. De cette façon, ils sont tous dans le même bateau. Et ça fait donc une victime et il en reste cinq. Pendant ce temps, le vacarme a fini par réveiller Kelly et elle arrive sur les lieux pile au moment où les quatre gars balancent le corps de son ami encore plus bas, le long de la falaise. Horrifiée, Kelly lâche un cri, ce qui fait comprendre aux garçons qu'elle les a filmés. Et en un instant, la traque est relancée. Kelly s'enfuit dans les bois avec les autres qui la poursuivent de près. Elle se cache derrière un rocher et écoute Josh qui ordonne aux garçons de se séparer et de continuer à chercher. Une fois qu'elle a l'impression que la voie est libre, Kelly sprint en direction du chalet. Mais elle se heurte directement à un des hommes. Heureusement pour elle, ce n'est que Reynolds, et il décide de la laisser partir sans appeler les autres. Vu que Josh se rapproche, elle attrape rapidement tout ce qu'elle peut et s'élance en courant vers la montagne. Ok, alors là, c'est franchement terrifiant. Kelly vient de voir ces types jeter sa meilleure amie du haut d'une falaise. Et maintenant qu'ils savent qu'elle les a vus, on peut supposer qu'ils ne la poursuivent pas juste pour s'excuser et se rendre. Ces types vont la tuer dès qu'ils en auront l'occasion. Et comme elle est en infériorité numérique, Kelly doit éviter de se battre frontalement avec eux le plus longtemps possible. Le fait de courir dans la nature loin de toute aide ou de tout ravitaillement n'est pas non plus la meilleure option. Mais c'est peut-être aussi le seul choix qu'elle avait. Alors que doit-elle faire maintenant? Encore une fois, la chose la plus importante qu'elle puisse faire maintenant, c'est d'essayer de contacter les services d'urgence dès que possible. Elle n'a pas eu beaucoup de temps au chalet pour prendre ses affaires et partir, mais par chance, son téléphone se trouvait dans son sac à dos. Ce qui signifie que si elle peut sortir de leur champ de vision et trouver un endroit où se cacher en utilisant les étapes dont nous avons parlé précédemment, elle devrait être en mesure d'appeler la police et de leur faire savoir rapidement qu'elle a besoin d'aide. Elle pourrait aussi se barricader dans le chalet et essayer de les tenir à distance pendant qu'elle passera l'appel. Mais il y a de fortes chances qu'ils la trouvent avant que les secours ne le fassent. Ça valait donc sans doute la peine de prendre le risque de mettre le plus de distance possible entre les hommes et elle. Maintenant, courir est peut-être son seul choix, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être stratégique en le faisant. Au lieu de courir sans but dans les bois, je suggérerais de les éloigner des chalets avant de sortir de leur champ de vision, puis de faire brusquement demi-tour en les envoyant tous les quatre dans une recherche inutile au milieu de nulle part. Ça donnerait à Kelly l'occasion de revenir vers les chalets, là où elle a probablement le plus de chances de survivre. Si elle se cache à proximité jusqu'à ce qu'elle soit sûre que Josh et les garçons sont partis, elle devrait pouvoir retourner dans son chalet et prendre plus de matériel. Ou s'y cacher une fois qu'ils l'auront déjà fouillée et qu'ils en auront déduit qu'elle doit être ailleurs. Ça pourrait être risqué, mais elle pourrait aussi tenter sa chance en entrant dans leur propre chalet. Non seulement c'est l'endroit où ils s'attendront le moins à ce qu'elle se cache, mais ça lui donnerait aussi l'occasion de saboter leur équipement ou de poser un piège pour équilibrer un peu les chances.
Mieux encore, elles pourraient même y trouver les clés de leur 4x4 et s'en servir pour se tirer de là. Retourner à l'entrée serait également l'endroit le plus propice pour trouver une aide immédiate. S'il y a d'autres campeurs à proximité ou un poste de garde forestier ou un centre d'accueil pour le camping, elles pourraient les contacter et leur faire part de ce qui se passe. Ce qui lui permettrait d'obtenir de l'aide bien plus rapidement qu'en appelant la police et en attendant qu'elle arrive sur place. Cela dit, si le pire devait arriver et que la fuite ne fonctionne pas, Kelly aura tout à fait le droit de se mettre en mode Rambo avec ses types. Parce qu'après tout, eux ont versé le premier sang, pas moi. Le seul problème, c'est que même si elle était une combattante de MMA super entraînée, les chances qu'elle gagne un combat à 4 contre 1 contre eux ne seraient toujours pas très bonnes. Mais le fait qu'ils se séparent pour la chercher pourrait l'aider un peu. Je concentrerai mon attention sur Josh, puisque c'est lui le meneur, et j'essaierai de le mettre dans une situation où je pourrais lui tendre une embuscade quand il sera seul. Un bon coup de bâton ou de caillasse bien placé devrait suffire, et avec leur chef à terre, il y a une petite chance que les autres décident d'abandonner. Quand ils étaient au feu de camp plus tôt dans la nuit, Josh a montré une montre tape à l'œil dotée d'une balise de détresse intégrée qui transmet sa position au service d'urgence quand on l'active. Une fois qu'il aura été éliminé, je prendrai cette montre et je l'utiliserai pour appeler à l'aide moi aussi. Une dernière chose qu'elle doit envisager est un moyen de sécuriser l'épreuve qu'elle a déjà. Pour l'instant, si elle perd sa caméra ou si elle la casse, la preuve de ce qui est réellement arrivé à son ami sera perdue à jamais. Donc si elle en a la possibilité, j'essaierai rapidement de transférer les images de ma caméra sur mon téléphone, puis je les téléchargerai sur internet pour que le monde entier puisse les voir. Comme ça, même s'ils parviennent à me mettre la main dessus, la preuve sera toujours là. Quand Kelly atteint le pied de la falaise, le soleil se lève déjà, et elle commence à faire de l'escalade libre en remontant la paroi abrupte. Les garçons sont toujours derrière elle, mais seul Taylor a l'expérience nécessaire pour faire l'ascension, alors il grimpe après elle pendant que Josh et les autres l'encouragent depuis le sol. Il ne tarde pas à la rattraper, mais Kelly parvient à se débarrasser de lui. Malheureusement, elle fait aussi tomber la caméra et la plupart de son matériel par la même occasion. Elle parvient cependant à récupérer sa caméra, et elle la remet dans son sac à dos avant de continuer à grimper. Quelques instants plus tard, Taylor la rattrape à nouveau. Mais cette fois-ci, quand elle lui donne un coup de pied, il n'est pas en mesure de garder sa prise et plonge d'une quarantaine de mètres sur le sol rocailleux en contrebas. Taylor survit à la chute, mais l'os fracturé qui dépasse de sa jambe indique clairement qu'il ne fera plus d'escalade pendant un certain temps. Furieux, Josh crie à Kelly qu'il la retrouvera quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, elle a réussi à les semer, mais Josh n'abandonnera pas si facilement. Ok, bon, ça c'était une erreur, mais au moins avec Taylor à terre, ils ne sont plus qu'à 3 contre 1. Kelly pense peut-être que c'est sa meilleure chance puisqu'elle est la grimpeuse la plus expérimentée, mais je me dois de demander où elle compte aller exactement à partir de maintenant. En continuant à grimper, elle va se retrouver piégée. Elle doit donc commencer à envisager ses options avec plus de discernement. Si elle connaît bien la région, Kelly doit être au courant de l'existence d'un refuge ouvert au public, une sorte d'hôtel pour les alpinistes situé au nord de la montagne. Il sera difficile à atteindre, mais au moins à ce stade, c'est peut-être la forme de civilisation la plus proche qu'il lui reste. Et le fait de viser ce refuge lui donnera au moins un objectif précis à atteindre. Outre le fait qu'en grimpant tout droit, elle finira par ne plus avoir d'endroit où s'enfuir, l'escalade libre seule et sous pression comme Kelly le fait ici est aussi incroyablement dangereuse pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il y a la gravité, c'est évident. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissements sur ce point, demandez à Taylor de vous donner son point de vue. Ensuite, sans une réserve d'eau suffisante, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit confrontée à la déshydratation, ce qui pourrait rapidement conduire à la mort dans ces circonstances, même si ce n'est pas encore un problème. Le mal des montagnes causé par les faibles niveaux d'oxygène peut commencer à se manifester à partir de 2400 mètres d'altitude environ. À titre de référence, la montagne qu'elle escalade, l'Antelao, culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce phénomène peut entraîner des maux de tête, des nausées et des vertiges, qui sont tous très mauvais quand on grimpe sans équipement et qu'on est poursuivi par des tueurs fous. En plus du mal des montagnes, plus elle montera, plus il fera froid, ce qui entraînera un début d'hypothermie et des engelures. Dans le pire des cas, elle finira par perdre conscience, et la raison pour laquelle ce serait mauvais devrait être assez explicite, je pense. Le mauvais temps peut aggraver l'hypothermie, réduire la visibilité et rendre les pentes glissantes, ce qui pourrait l'amener à se perdre ou pire, à faire une chute. En plus de tout ça, les animaux sauvages comme les ours bruns et quelques espèces de serpents venimeux sont connus pour habiter cette région. Bien qu'il soit peu probable de rencontrer un de ces animaux, des ours bruns ont déjà tué des randonneurs dans les Dolomites. Et si elle s'accroche accidentellement à un serpent et se fait mordre, son venin pourrait lui être fatal si elle ne reçoit pas de traitement approprié suffisamment rapidement. Pour être honnête, il y a des problèmes bien plus urgents que tout ça en ce moment. Mais si son plan est de continuer à gravir la montagne, elle va devoir prendre en compte les dangers qui la guettent.
Comme je l'ai déjà dit, la chose la plus essentielle qu'elles pouvaient faire était de sortir de leur champ de vision. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont fait pour elles. Pendant qu'ils ramènent Taylor au chalet, je suggérerais de changer rapidement de direction et de trouver un endroit où elles pourraient se cacher tout en gardant un œil sur leur déplacement. De cette façon, quand ils reviendront et commenceront à grimper derrière elle, elle pourra retourner au chalet et essayer d'obtenir de l'aide de l'une des façons dont on a déjà parlé. Les autres ramènent Taylor en vitesse au chalet pour lui donner les premiers soins d'urgence. Et par premiers soins, je veux dire un tas d'analgésiques et de l'alcool. Une fois qu'il est bien hydraté, ils lui disent de garder le feu allumé pour qu'il sache grâce à la fumée qu'il est toujours en vie. Et de prévenir la police s'ils ne sont pas de retour dans les 24 heures. Sur ce, Josh, Zach et Reynolds prennent leur équipement et repartent, laissant Taylor se débrouiller seule. Pendant ce temps, Kelly se poste dans une fissure de la paroi rocheuse et en profite pour boire une gorgée d'eau. Elle enfile ensuite sa paire de chaussons d'escalade et passe rapidement en revue le matériel qu'il lui reste, tout en réfléchissant à ce qu'elle doit faire ensuite. La vue de la caméra lui rappelle les bons moments passés avec Sophie, et la colère qu'elle éprouve alors lui donne la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Au pied de la montagne, les gars reviennent, et ils trouvent le téléphone de Kelly. Ils constatent que la falaise est trop abrupte pour qu'elle puisse redescendre sans équipement. Et sans veste, Josh pense qu'elle mourra de froid bien avant qu'il ne s'approche d'elle. Alors qu'ils sont sur le point de commencer, Josh dit qu'il a oublié ses gants au chalet, et il retourne les récupérer pendant que les autres doivent attendre qu'ils reviennent. Une fois Josh parti, Reynolds tente de convaincre son ami d'appeler à l'aide, insistant sur le fait que même si ce dernier dit qu'ils sont tous dans le même bateau, toute cette histoire n'est que de la faute de Josh. Malheureusement, Zach ne partage pas cet avis, et il préfère aller voir ce qui prend autant de temps à Josh. Zach arrive au chalet au moment même où Josh en sort, et le jeune homme est furieux contre lui de ne pas l'avoir attendu au pied de la falaise comme il le lui avait demandé. Les deux hommes repartent ensemble, sans que Zach ne comprenne la vérité sur ce qui s'est passé. Les gants manquants n'étaient qu'une fausse excuse, et Josh a tué Taylor exécutant son propre ami juste pour résoudre un problème potentiel. Ce qui fait qu'il y a deux victimes, et qu'il en reste encore quatre. Kelly poursuit son chemin vers le sommet, l'ascension devenant de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'elle progresse. Elle se souvient de l'enseignement que lui avait prodigué son fiancé Luca, et elle s'appuie sur ses conseils pour continuer à avancer lentement mais sûrement. Tout à coup, elle manque de s'agripper à un serpent qui s'accroche au rocher juste au-dessus d'elle. À cette hauteur, perdre prise signifierait une mort certaine, et Kelly n'a d'autre choix que de rester parfaitement immobile tandis que le serpent rampe sur sa main. Heureusement, le serpent ne la mord pas, et elle peut continuer à avancer une fois qu'il est définitivement hors de portée. Un peu plus haut, Kelly s'appuie sur une pierre et boit une gorgée d'eau avant de remettre la gourde dans son sac de façon un peu trop énergique. La combinaison de l'adrénaline et de l'épuisement fait qu'elle glisse, et elle laisse échapper la gourde directement dans le vide. Ok, c'était une erreur un peu stupide, mais voir la seule source d'eau de Kelly s'écraser sur le flanc de la montagne, ça me donne une idée. Elle n'a pas encore eu beaucoup d'occasions de renverser la situation. Mais pourquoi ne pas utiliser le terrain surélevé à son avantage et commencer à riposter dès maintenant? Pour ce faire, il lui suffirait de leur envoyer directement des pierres, ses chaussures de rechange et tout autre équipement supplémentaire sur la tête. Non seulement ça rendrait sa poursuite plus difficile, mais ça pourrait aussi les déséquilibrer et les faire tomber vers la mort. Le fait que Josh ait le téléphone de Kelly encore en état de marche me fait penser à une autre erreur. Quand on part pour un voyage potentiellement dangereux comme celui-ci, on devrait toujours avoir au moins une personne à contacter en cas d'urgence à la maison. Quelqu'un avec qui on prévoit de rester en contact tout au long du voyage et qui sait qu'il faut appeler de l'aide si on ne répond plus tout à coup. Bien sûr, il est un peu trop tard pour ça. Mais si Kelly et Sophie avaient mieux préparé leur voyage, les secours seraient peut-être déjà arrivés sans qu'elle n'ait eu besoin d'appeler à l'aide. Kelly arrive bientôt à son prochain obstacle. Un long couloir où une corde fixe est suspendue hors de portée. Elle essaie de s'étirer autant qu'elle le peut, mais il n'y a aucune chance qu'elle parvienne à s'y accrocher, ce qui l'oblige à trouver un nouveau plan. Elle est obligée de réfléchir un moment. Elle fait un trou dans le tissu de son sac à dos et en sort un mince morceau de fil de fer. Elle fait un crochet à l'une des extrémités et parvient à tirer la corde suffisamment près pour pouvoir enfin l'atteindre et utiliser l'effet de levier pour s'élancer vers le prochain point d'appui. Un peu plus loin, Kelly trouve un abri de bivouac abandonné par des grimpeurs locaux la veille. La progression est trop périlleuse selon elle maintenant. Elle décide donc de faire une pause et de reprendre des forces pendant qu'elle en a l'occasion. C'est à ce moment-là que les garçons atteignent le sommet de la corniche, juste au-dessus d'elle. Ayant finalement réussi à lui couper la route, Josh recommence immédiatement à la tourmenter et lui jette une corde pour lui donner une dernière chance de lui remettre la caméra. Au lieu de ça, Kelly lui envoie un « fuck you » écrit à la main, ce qui énerve encore plus Josh. Il est furieux. Mais il sait aussi que Kelly est prise au piège. Elle ne peut plus descendre, et si elle monte, ils seront là pour l'accueillir. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'asseoir et d'attendre.
Ok, envoyer un message en haut, c'était cool et tout. Mais Kelly a peut-être raté une occasion d'égaliser un peu les chances. Après tout, la meilleure façon d'envoyer un message ici serait d'éliminer un de ces monstres. En haut sur la corniche, Reynolds avait enroulé la corde autour de son corps. Et il se trouvait à l'arrière de la file derrière Josh et Zach. Ça aurait été risqué, mais si Kelly s'était agrippée à la corde et avait tiré dessus aussi fort qu'elle le pouvait tout en gardant son équilibre, elle aurait peut-être pu faire trébucher Reynolds et, avec un peu de chance, envoyer un des autres ou même les trois par-dessus le rebord vers la mort. Est-ce que c'est un pari risqué? Certainement. Mais avec si peu de possibilités de riposte, elle doit profiter de chaque occasion qui se présente. Pendant que Josh est occupé à installer le camp, Reynolds voit qu'il n'y a pas de fumée provenant du chalet en bas. Et il fait remarquer que même s'ils réussissent à récupérer la caméra, Kelly sera toujours un témoin. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune chance que Josh lui laisse la vie sauve. Il a totalement raison, mais Zach refuse de l'écouter, toujours accroché à un sentiment déplacé de loyauté envers son ami. C'est une énorme erreur, et dans quelques heures, il va devoir en payer le prix. Alors que le soleil commence à se coucher, Kelly sort un équipement appelé « coinceur » et elle le fixe dans une fente dans les rochers au-dessus, avant de tirer la tente d'escalade plus près d'elle. À l'intérieur, elle trouve une gourde en acier, malheureusement à sec, et un petit couteau en métal qui pourrait s'avérer utile plus tard. Sur la corniche, Zach et Reynolds préparent le dîner, tandis que Josh continue de narguer Kelly en lui proposant de la nourriture en échange de son abandon. Il fouille dans son téléphone et se rend compte que le fiancé de Kelly est mort en tentant cette même escalade avec elle exactement un an plus tôt, ce qui donne une idée à Josh. Alors qu'elle prend un encas dans l'abri, Josh décide d'uriner sur la tente. Et il commence à la narguer à propos de la mort de Luca avant de lui souhaiter une bonne nuit sarcastique. Deux des garçons attendent que les autres semblent être allés se coucher. Puis ils lancent un sac lourd attaché à une corde par-dessus le rebord, directement sur la tente. Le sac s'écrase sur le côté de la tente à plusieurs reprises, ce qui a pour effet de faire tomber Kelly qui perd finalement sa prise. Heureusement, elle parvient à s'accrocher au sac lui-même alors qu'elle est suspendue au-dessus du vide vers une mort certaine. Se penchant sur le bord, Josh réalise qu'elle est vulnérable et il ordonne rapidement aux autres de lui lancer un couteau. Il coupe la corde juste au moment où Kelly se raccroche à la falaise, échappant de justesse à la chute. Il s'en est fallu de peu et n'ayant nulle part où aller, Kelly remonte dans son abri en attendant une autre occasion de pouvoir s'éloigner d'eux. Ok, c'était un peu juste et on repassera pour le confort. Malgré tout ce que ces monstres ont tenté jusqu'à présent, Kelly a réussi à survivre grâce à une bonne dose de chance et de plot armor. Mais dans le processus, elle a manqué une occasion potentielle de les déstabiliser. Ça va vous paraître un peu bête, mais comme ils ne peuvent pas la voir, j'aurais peut-être essayé de crier pour faire croire que je suis tombée, et ainsi leur faire croire que j'étais morte. Il n'y a aucune garantie que ça marche, mais on ne sait jamais avant d'avoir essayé. Et si elle était vraiment chanceuse, ou s'ils étaient vraiment stupides, elle aurait pu les convaincre qu'ils avaient accompli leur travail, leur faisant abandonner la poursuite et la laissant se concentrer sur sa survie aux éléments, au lieu d'avoir à faire face à une bande d'agresseurs détraqués. Kelly s'endort brièvement d'épuisement et se réveille en entendant des bruits suspects venant de l'extérieur de la tente. Tout à coup, un des gars commence à poignarder à travers la tente, et il parvient à la toucher superficiellement à la jambe avant qu'elle ne puisse s'éloigner. C'est Zach! Et il la tire hors de la tente par les cheveux en la menaçant de la jeter dans le vide si elle ne lui donne pas la caméra. Kelly est paniquée et elle avoue qu'elle est dans son sac à dos. Mais pendant qu'il est occupé à la chercher, elle saisit cette lame métallique et commence à lui asséner des coups de poignard. L'agression force Zach à battre en retraite, mais dans le chaos, Kelly et son sac à dos commencent à tomber eux aussi. Kelly saisit le couteau juste au moment où elle bascule par-dessus le rebord. Et elle réussit tout juste à s'agripper à sa chemise et à attraper le sac à dos avec son pied. Zach commence à crier pour que les autres les remontent. Kelly le poignarde alors dans la jambe et jette le sac dans la tente alors qu'elle est soulevée vers le surplomb. Dès qu'il la voit, Josh saisit Kelly par les cheveux, mais elle réussit à s'échapper en attrapant le couteau et en se libérant les cheveux. Perdant sa prise, Kelly retombe de la falaise mais se rattrape à la tente à la dernière seconde. Quant au couteau, il atterrit dans les rochers non loin de là. Quelques instants plus tard, le coinceur qui maintient la tente en place finit par céder sous l'effet de la violence. Mais Kelly se hisse avec le sac sur un rebord salutaire juste au moment où l'abri s'effondre et dégringole jusqu'au sol en contrebas. Ok, c'était un combat de dingue! Et Kelly a de la chance d'être encore de ce monde. Mais elle a fait un choix bizarre qui a failli lui coûter la vie. Au lieu de plonger sur Zach dès qu'il a commencé à essayer de la sortir de là, elle aurait dû rester à l'abri aussi longtemps que possible et continuer à le poignarder ou à essayer de couper sa corde depuis cet endroit. Avec un peu de chance, elle aurait pu le faire plonger dans le vide, et il n'y aurait plus que deux personnes à affronter. Elle a peut-être survécu à ce round, mais maintenant que le combat est terminé, il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour se préparer à ce qu'ils vont tenter ensuite. Ça va être incroyablement dangereux, mais je lui conseillerais d'essayer de mettre la main sur ce couteau, parce que ce sera peut-être le seul moyen qu'elle aura de se défendre.
En plus, étant donné que Zack est maintenant trop blessé pour se battre, et dans la mesure où Reynolds n'est pas vraiment du côté de Josh, ça pourrait être sa meilleure chance de passer à l'offensive. J'attendrai le bon moment quand tout le monde semblera endormi, je me faufilerai avec le couteau, et j'essaierai de tuer Josh avant que qui que ce soit ne se rende compte de ce qui se passe. Ce serait sûrement hyper risqué, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se fasse tuer si elle reste au bord d'une falaise pareille, et qu'elle attend qu'il passe à l'action. Donc si elle a une seule chance de pouvoir riposter, il faut qu'elle la saisisse dès que possible. Josh est furieux, mais ils doivent renoncer à capturer Kelly pour le moment, le temps de s'occuper de Zack. Reynolds commence à les supplier de laisser tomber. Il soutient que dans l'état actuel des choses, Kelly est assurée de mourir tôt ou tard. Une fois qu'elle sera morte et que la caméra aura été détruite, ils pourront faire croire qu'il s'agissait d'un accident, à condition qu'ils s'en tiennent tous les trois à leur version des faits. Josh accepte finalement de redescendre à la première heure le lendemain matin et d'appeler sa fiancée à l'aide. Mais la vérité, c'est qu'il a d'autres projets en tête. Quelques coups de couteau ont dû ramener Zack à la raison, parce que dès que Josh semble enfin endormi, il commence à murmurer à Reynolds qu'ils doivent se tirer de là avant qu'il ne se vide de son sang. Selon lui, leur seul espoir est de mettre la main sur la montre de survie de Josh et d'activer la balise de détresse intégrée qui appellera une équipe de secours à l'endroit exact où il se trouve. C'est plutôt risqué, mais ils n'ont pas d'autre choix et Reynolds accepte de prendre ce risque. Il rampe aussi silencieusement qu'il le peut, se dirige vers Josh et s'empare de sa montre. Mais quand il est sur le point de réussir à la prendre, Josh jaillit de son sac de couchage, plaque Reynolds au sol et menace de le jeter dans le vide avant de décider que ce dernier a plus de valeur à ses yeux vivant que mort. Du moins pour le moment. Furieux de leur trahison, Josh annonce à Zack qu'il sort secrètement avec sa petite amie à l'hôtel tous les vendredis soirs depuis des années, alors que lui la croit à un cours de sport. Et elle dit à Zack qu'elle le déteste uniquement pour dissimuler ses agissements. Comme si ça ne suffisait pas, il s'avère que Reynolds et Taylor étaient au courant depuis le début, mais qu'ils ne lui ont jamais rien dit. Furieux, Zack s'apprête à s'élancer sur Josh, mais il est trop blessé pour faire quoi que ce soit, et il ne peut que rester assis, impuissant et à la merci de ce taré. Josh se remet alors à narguer Kelly, lui proposant un demi-million de dollars si elle lui donne la caméra, et lui promettant qu'ils oublieront tout ce qui s'est passé. Kelly, bien sûr, n'y croit pas une seule seconde, ce qui veut dire que pour l'instant, la situation reste bloquée. Un peu plus tard, quand tout le monde est à nouveau endormi, Zack s'approche du rebord en titubant pour se soulager. Tout à coup, Josh se glisse derrière lui et lui assène un coup de marteau d'escalade à l'arrière de la tête, le faisant tomber à pic le long de la paroi où se trouve Kelly et le précipitant vers sa mort. Quelques instants plus tard, il jette également le sac d'escalade de Zack du haut de la falaise, ce qui fait 3 morts et il en reste 3. Ok, et dans un retournement de situation que nous avons tous vu venir, il semblerait que Josh n'ait pas l'intention de laisser qui que ce soit d'autre que lui quitter cette montagne en vie. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on est pote avec un fou dangereux. Zack, tu as merdé. Tout aurait pu être évité si vous l'aviez confronté tous les trois au campement. Mais tu t'es laissé entraîner par la volonté du groupe de couvrir le crime, au lieu de laisser Josh prendre ses responsabilités et faire face aux conséquences de ses actes. C'est une chose de vouloir protéger ses frères, mais participer au meurtre d'une jeune femme innocente va un peu trop loin, tu ne crois pas? Ensuite, tu as laissé Josh te convaincre de rejoindre Kelly sur la corniche, mettant ainsi ta propre vie en danger alors que c'était à lui de régler ce problème. Et tu as fini par te faire poignarder dans la jambe pour la peine. Mais le plus stupide, c'est que tu as décidé de baisser ta garde face à Staré, alors qu'il avait clairement entendu Reynolds et toi comploter dans son dos. Tu as pris des risques et tu es resté fidèle à un type qui était littéralement un tueur fou et qui ne se privait pas de se taper ta copine en cachette en plus. Et maintenant, tu es mort de façon atroce et lui est toujours en vie, libre de tourner l'histoire comme il l'entend pour se faire passer pour une petite victime alors que tout ce qui a mal tourné était entièrement de sa faute. Avec un peu de chance, Kelly pourra le traduire en justice. Mais Zack, toi, tu as sérieusement merdé. Quand Reynolds se réveille, il remarque immédiatement que Zack a disparu. Josh lui explique qu'il a décidé de descendre la piste et qu'il a dit que Taylor et lui appelleraient les secours dès qu'il atteindrait le chalet. Ce qui n'est qu'un mensonge, évidemment. Selon lui, tout va bien se passer, mais ils doivent encore s'occuper de Kelly avant l'arrivée des sauveteurs. Josh commence à se préparer pour aller la chercher, mais Reynolds se porte volontaire pour le faire à sa place. Il lui fait remarquer qu'elle s'attendra à des embrouilles de la part de Josh, mais peut-être pas de la sienne. Il lui propose de faire un marché avec elle pour obtenir la caméra et dès qu'elle aura baissé sa garde, il se chargera du reste. Josh n'est pas sûr de pouvoir lui faire confiance au début, mais il décide finalement que ça pourrait peut-être bien marcher, et il donne le marteau à Reynolds avant de le faire descendre par-dessus le rebord pendant que lui le surveille d'en haut. Dès qu'elle le voit, Kelly se prépare immédiatement au combat de sa vie, mais Reynolds lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. Au lieu de ça, il lui offre une boîte de conserve.
Il s'excuse pour ce qui est arrivé à Sophie et tente d'expliquer sa version des faits en disant que la mort de Sophie était en fait entièrement de la faute de Josh. Reynolds promet que si elle lui donne la caméra, il fera croire à Josh qu'elle est tombée et que l'équipe de secours que Josh est censée appeler viendra la sauver. C'est alors que Kelly lui dit que Josh a tué Zach il y a quelques heures et qu'il n'aurait jamais pu descendre la montagne seul avec une jambe blessée. Ça lui fait l'effet d'une douche froide et elle ajoute que Reynolds lui-même est probablement le prochain sur la liste. Reynolds dit malgré tout que si elle ne lui donne pas la caméra, Josh finira par venir la chercher lui-même. Réalisant qu'elle n'a pas d'autre choix, Kelly finit par la lui remettre. Mais elle n'est pas encore au bout de ses peines. Alors qu'il s'apprête à remonter, il lui demande de crier aussi fort qu'elle le peut, ce qui devrait convaincre Josh qu'il l'a poussée dans une chute mortelle. Ok, maintenant que Reynolds sait ce qui est arrivé à Zach, il doit réagir avant de mourir à son tour. Il a la caméra et le marteau, donc quand il arrivera là-haut, il devra lancer la caméra à Josh pour le distraire, puis le tuer immédiatement. Même s'il n'arrive pas à le tuer à la loyale, il peut simplement essayer de le pousser dans le vide comme il l'a fait avec Zach. Et comme Reynolds est toujours encordé, il ne courra pas le risque de tomber à son tour. Malheureusement, il ne fera pas le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Et nous sommes sur le point de voir comment ça va se passer pour lui. Alerte spoiler, ce ne sera pas bon du tout. Le plan semble fonctionner, du moins pour le moment. Josh fait remonter Reynolds, qui jure avoir récupéré la caméra et s'être occupé de Kelly. Dès qu'il la lui remet, Josh se rend compte qu'elle a retiré la carte mémoire, ce qui rend la caméra complètement inutile. C'est alors que Reynolds dit qu'il va appeler Taylor, mais il entend le téléphone de son ami sonner à l'intérieur du sac à dos de Josh. La vérité est désormais incontestable, et sans même se dire un mot, ils se lancent tous les deux dans un combat à mort. Reynolds tente de résister, mais Josh le domine rapidement et commence à le frapper à coups de marteau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se défendre. Josh saisit la corde, attache Reynolds, l'asperge d'essence à briquet et jette une allumette pour le brûler vif avant d'envoyer son corps enflammé par-dessus la plateforme et de le balancer en direction de Kelly qui est épouvantée par ce qu'elle voit. Elle assiste à la mise à mort de Reynolds sous ses yeux jusqu'à ce que la corde cède et qu'il tombe dans le vide. Ça fait 4 morts et il en reste 2. Ok, c'est une terrible façon de partir. Reynolds avait besoin de s'accrocher dans ce combat, mais maintenant, il ne reste plus que Josh et Kelly. Ils auraient eu de bien meilleures chances de gagner le combat s'il s'était agi d'un 2 contre 1 surprise. Au lieu de le laisser monter tout seul, Kelly aurait dû prendre le couteau et grimper derrière Reynolds, en se servant de lui comme bouclier de viande. De cette façon, elle aurait pu l'aider un peu pendant qu'il était occupé à se faire fracasser. En jouant bien leurs cartes, Kelly aurait pu attaquer Josh pendant qu'il tirait Reynolds vers le haut et le prendre au dépourvu quand il était sans défense. Reynolds étant hors-jeu, Kelly est la seule à connaître la vérité sur ce que Josh a fait, et elle devra faire mieux que lui si elle veut s'en sortir vivante. Assis sur le rebord de la falaise, Josh boit la dernière goutte d'alcool de sa flasque avant de décider que trop c'est trop, et il se prépare à s'en prendre à elle et à en finir. Kelly traverse la paroi rocheuse et s'empare du couteau qui se trouve dans les rochers. Elle grimpe ensuite pour attraper son sac à dos, évitant de justesse un autre serpent qui se cachait près du sac. Quelques secondes plus tard, Josh descend et la confronte en lui promettant que si elle lui donne la carte mémoire, il lui accordera au moins la faveur de rendre sa mort rapide et indolore. Kelly n'est pas du genre à se laisser faire, alors il se précipite vers elle et il commence immédiatement à se battre pour le couteau. C'est alors que Kelly avoue qu'elle a caché la carte quelque part dans la paroi. Et elle dit que même s'il la tue et qu'il s'en tire pour l'instant, quelqu'un finira bien par la trouver et par apprendre la vérité. Josh est furieux et il essaie de lui balancer quelques coups de marteau, mais elle riposte en lui donnant un coup de couteau. Il se rend vite compte que ce ne sera pas aussi facile qu'il l'espérait, alors il lui fait sa dernière offre. Il lui rendra sa bague de fiançailles si elle lui dit où trouver la carte mémoire. Finalement, Kelly lui dit qu'elle se trouve dans une ouverture dans le mur, mais quand il met la main à l'intérieur pour la prendre, le serpent s'élance et le mord. Maintenant, il est vraiment enragé et il revient vers Kelly pour commencer à la frapper à main nue. Au moment où il semble qu'elle soit cuite, Kelly lui donne un bon coup de genou entre les jambes. Elle sectionne sa corde et lui plante un coup de couteau dans les reins. Ça le fait tomber, mais il parvient à s'accrocher au bord de la corniche, juste en dessous d'elle. À présent, c'est Josh qui implore Kelly pour sa vie. Et après l'avoir laissé se débattre un moment, Kelly se penche comme si elle allait l'aider. Mais elle lui arrache sa bague du cou et active la balise d'urgence de sa montre. Elle attend que la balise soit activée et signale l'arrivée des secours avant de marcher sur les doigts de Josh, le précipitant dans une chute vertigineuse vers sa mort. Ça fait 5 victimes et une survivante. Et Kelly a enfin pris sa revanche. Avec la bague et la carte mémoire en sa possession, il ne lui reste plus qu'à grimper le long de la falaise et à attendre l'arrivée des secours. Alors que le soleil se lève, elle entend des hélicoptères de secours approcher au loin.
et elle comprend qu'elle sera enfin en sécurité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était impressionnant. Je ne peux pas dire que je me sente mal pour les personnes impliquées dans ce film, parce qu'il semble que beaucoup des décisions prises étaient exactement à l'opposé de ce qu'une personne normale ferait, non ? Mais dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci encore une fois d'avoir regardé et surtout, passez une excellente journée !